Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vais les appeler, hein. Je pense que c'est mieux à faire, parce que, comme vous le savez, ou comme vous ne le savez peut-être pas, ils vont essayer d'écrire une chanson pendant le temps que va durer le spectacle. Et c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un de leurs camarades passe au scène, ils vont, eux, dans les coulisses, préparer une chanson. Et cette chanson, elle va être écrite sur une idée que vous allez donner. Voilà. Alors donc, si certains d'entre vous ont des idées, et j'imagine qu'on avait tout plus bien, on ne parlera pas du 7 mai, on parle de ce soir, lancer des idées à la volée, les jeunes gens, jeunes filles vont en saisir une, et puis donc improviser pendant une heure et quart, une chanson sur cette idée. Voilà. Alors donc, allez-y. S'il y a autant d'idées pour la campagne électorale, ça va être dur. La liberté. Non, mais ça, se pourrait essayer de trouver un titre quand même, quelque chose. Alors, disons la liberté. Si je suis de la liberté totale d'écrire absolument ce que vous voulez. C'est quand même pratique. Alors, une petite phrase un peu originale, un peu marrante. Le chien de la voisine. Le chien de la voisine. Très bien. Mais c'est sympa votre voisine alors. Moi je connaissais le chat de la voisine. Je suis en train de chanter par les fondements. Mais le chien, je ne le connais pas. C'est bon, le chien de la voisine, c'est la voisine. Voilà, allez, encore une chanson qu'on donnera. Si elle réussit, on l'enverra sur le marché. Les dents écartées de la chance. Pardon? Les dents écartées de la chance. Les dents écartées de la chance. Le 7 mai au soir, je vais voir Stéphane Guillon. Ça risque d'être sanglant. Ah, effectivement. Ouais, je pense. Alors, bon. C'est quoi qui a pilotage Ah oui, c'est vrai que j'avais vécu 7 ans au Québec. C'est pas parce que j'ai vécu 7 ans, 10 ans au Québec, vous savez ce que c'est qu'un pilotage? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Un couple de violonistes qui essaye d'accorder ses violons. Non, Jérôme, c'est un cas d'histoire. C'est vraiment, c'est l'un du monde. Ça fait penser un peu à Manuel Valls, mais il n'y a plus de violonistes. Là, c'est des vrais. Oui, je l'ai dit pour lui. Alors, qu'est-ce que vous choisissez? Ah, bah oui, moi, alors, je vais te donner une chance. Oui. Le stylo qui fuit, l'estomac en capillot. À ce soir. Oui, le couple de violonistes qui essaye d'accorder ses violons. Voilà, j'ai fini le dernier. Le couple de Mélangeons. Ah, voilà. Le chien qui fuit. Alors, je vais les appeler maintenant pour savoir exactement la copie qu'ils vont rendre sur le thème donné, évidemment, par l'une d'entre vous, je crois. Donc, c'était les dents du bonheur, c'est ça, hein? Allez, les dents écartées du bonheur, c'est vrai. Voilà, c'est le point commun entre Bugs Bunny et Sylvie Larrand. S'il vous plaît, Sylvaniac, entrez sur scène.
Alors, ah, Vincent, Jérôme, François, Paul et non, pardon. Bertrand, voilà, Jeannette de Rochette, voilà, Caroline, les Lures de Lily, Donoré, Eriquel, Titine et Céline. Les deux derniers prénoms, Rimant, voilà. T'es prêt? Tout à fait. Allons-y. J'ai l'impression de voir un remake des Compagnons de la Chance. Et là, c'était donc Question Maniaque, Philippe, Vincent, Jeanne Rochette, Bertrand, le grand harmoniciste, qui a joué magnifiquement sur un harmonica de Marc Levinsky, je crois, Jérôme, qui se cache, mais dont la présence est indéniable, Caroline,
Donoré, Ériquel, Luc Divine, et enfin, pour terminer, Camille, Lille Lourdes et Céline. Voilà. Merci beaucoup.